Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Turf Time consacrée à la 19e journée épique. À mes côtés, Nitin Lekadj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Kamesh. Nous avons aussi sur ce plateau Mourad Kiapa de Supertout. Mourad, bonsoir. Bonsoir, Kamesh. Avant que nous entamions l'analyse de cette 19e journée, nous vous avons dit qu'il n'y a pas une force cette semaine-ci et que dans la 4e course, le cheval numéro 5, Princeton, a été retiré pour cause de boiterie. Nous entamons directement les courses principales de cette 19e journée. Le Turf Magazine Golden Trophy, qui finit à 9 partants. Love Struck, Skippy John Jones, Bastilde, Diamond Light, Ice Axe, Top Jet, Vettel, Everest et Graze in Control. Nitin, une des courses bien ouvertes que nous retrouvons un cheval préféré, Skippy John Jones, qui peut revenir après deux victoires consécutives. Oui, Skippy John Jones, parmi les véritables stayers de la course, il reste deux victoires d'affilée et réalise la passe de 3. Il maintenait une très bonne condition. Il réalisait une galop grande piste la semaine dernière en compagnie de Bacon Flair. Il tient la deuxième ligne. Ce dernier les courses, il bat Everest et Top Jet. C'était lors de la 14e journée. Et il prend 10 kilos de pénalité à l'issue de sa victoire là. Vous avez dit que ça joue là, Everest, tu faisais sorti dans ce pas. Pour capable prendre la direction des opérations. Et Top Jet, lui, qui termine troisième dans les courses là, avec le jockey Lirena, il n'a pas une préparation idéale pour venir galoper sur les courses, hein, ça joue là. Depuis ça, les courses, on a trouvé ça, c'est Vettel qui est à l'intérieur de Everest et qui force Everest sorti de ce pas sur la partie initiale pour prendre la direction des opérations. Dans la ligne droite pour la première fois. Par la suite, nous trouvons Vettel qui déboîté à l'extérieur. Il tire sur le basque de Everest. C'est qu'il fait qu'il y a un rythme bien régulier dans les courses. Les Skippy John Jones et Top Jet suivent tranquillement. On est en arrière-garde. Vettel n'a pu se placer encore. Voilà, elle va essayer de passer devant Aïssa. Vous avez dit qu'il dépuis ça les courses là. Everest, certainement, c'est pas qu'une puisse progresser parmi sa trois chevaux-là. Top Jet également, beaucoup plus vite, parce qu'il m'a dit, quand il galope, ça les conseils que les Rénal au 14e moment, il y a un seul galop depuis la Duchesse. Donc, au niveau du fitness, il est beaucoup plus affûté cette fois. Avec Everest qui tient le bon bout. Vettel. Par rapport à ça, les courses 14e journée, là, nous avons également pris en considération que cette fois, Vettel pour muni des ailières et qui probablement se joguer pour insister pour aller devant Everest dans les courses samedi. Vous remarquez aussi que tient un Top Jet dans les courses, là, Niki. Oui, et Top Jet qui arrive un moment à l'intérieur, il donne l'impression qu'il peut accélérer, mais il pleut à la fin. Ce manque de fitness qui jouait contre lui, ça joue là. Comment vous dire, plutôt, Everest, certainement, c'est pas qu'il puisse progresser depuis la 14e journée. Il réalise quelques galops vraiment impressionnants ces dernières semaines. Il est dans une superbe condition. Mais est-ce qu'il est. Circonstances des courses pour favoriser, ça c'est une autre question. Parce que dans les courses, nous trouvons Love Struck qui tient la première ligne. Love Struck qui déjà démontré un peu vitesse le 1500 mètres. Le 1500 mètres dans Barbie, c'est un cheval qui nous montrait du pas. D'ailleurs, nous rappelle le jockey Lirena qui est un peu piégé avec One Cool Dude qui tire de Crossley puis après le départ, ça joue là. Bon, demande-moi si. L'écurie Patrick Mervais n'a pas bougé sa carte là au départ. Essaye faire Love Struck, garde sa position, garde la ligne, force un peu Everest de ce pas initial sur les premiers mètres. Par la suite, on a également Vettel qui, pour certainement avec les ailières, pour essayer de lancer les courses là. Et même si Everest très très bien, on pense que physionomie des courses là, capable, favorise. Skippy John Jones est objet cette fois. Que vous pensez de Diamond Knight qui peut revenir après la première fois non placé la dernière fois? Oui, comment vous dire, première fois non placé la dernière fois, ces vals-là, c'est paraît en léger progrès par rapport à ce dernier des courses, mais moi pensez, face à ces jeunes adversaires, c'est difficile pour la firme.
Il y a aussi dans la course-là Isaacs qui reste en quatrième place des Skippy John Jones. Il est dans une forme stable par rapport à ce dernier course. Il est battu avec sa troisième balle-là. Je ne crois pas qu'il est capable de dominer cette fois. Je retrouve aussi dans la course-là Bastille D qui s'est retiré la dernière fois pour cause de boiterie. C'est un cheval imprévisible. Loin de la piste molle, il est capable de bien faire. Parce qu'il a même les pieds délicats. Les coups ça pour lancer. Et bon, la dernière fois, il bat Call to Life. Là, les performances sont plus courageuses, mais c'est un cheval qui, dans un bon jour, si il n'a pas souffert aucune douleur, il est capable de bien faire. Grazing Control, qui pour ce premier sorti sous les couleurs de l'écurie Rameshwar Gadadhar. Le parcours allongé, probablement, plus ça sur l'avantage. Bien ignore ce dernier des courses. Il réalise un bon galop le Grand Prix mardi avec Ashanti Gold. Avec ce lightweight, nous sommes capables d'attendre ce qu'il gagne le grand progrès, mais pour la gagne, c'est un peu plus difficile. Et tout nous vers Mourad. Mourad, quelle lecture ça les course? Comme les premiers mots, vous pensez qu'il nous faisait comprendre la différence qu'il y a dans le handicap entre Everest et Skippy John Jones, puisque la dernière fois, j'ai eu une confrontation. Pour moi, la dernière fois, Skippy John Jones, il a 2 kilos en plus le Everest, et il récive une Everest. Cette fois-là, il y a une différence de 4 kilos qui pouvait jouer. À la fin de la course. Pour moi, Everest, Skippy John Jones, c'est un cheval qui déjà arrive sur le top, il peut progresser tiquit bien peu, alors qu'Everest, c'est un cheval qui peut progresser, nous trouvons lui, bien continuellement, il a un gros progrès devant lui. Pour moi, si Everest arrive à le devant, il est difficile à rattraper. Et Skippy John Jones, il reste un bon cheval, ça les coups, ça capable de jouer en sa deux là. Mais la nouvelle physionomie, ça les coûte ça, comment il pourrait être avec la présence de Vettel et Dave Strucking, première ligne, deuxième ligne, Skippy John Jones, Bastille D, troisième ligne, qui va finisseur confirmé. Mais bon, on sait que dans sa coûte ça, que top jet pourrait être. La dernière fois, il a dit 6 partants. Il s'y retrouve lui en arrière garde. Cette fois-là, avec 9 partants, on pensait qu'il se entraînait pour décider de suivre un ticket plus près. Et on pensait que 2200 mètres. Il y en a beaucoup, il est préparé pour ça les courses, ce dernier des courses, il donne une préparation méthodique pour ça les courses. Pour moi, la victoire pour jouer en top jet devant Everest et troisième Skippy John Jones et Maneris, je pense qu'ils ont pour la quatrième place. Nous passons maintenant à la première course de cette 19e journée, une des courses qui peut galoper sur 1650 mètres avec 11 portants au programme. Cinchona, Lividus, Ambassador X, Rule of My Heart, Roman Express, Obama, Hayako Lead, Dust in the Wind, Wind Power, Tiger Master et Ice Trigger. Une course bien ouverte, Nitin. Oui, c'est une course condition. Beaucoup mal entraîné et une préparation spécifiquement pour galoper sur les courses. Comme il y a Cinchona, il y a Lividus, il y a Ambassador X qui est dans une très bonne condition. Il y a Roman Express qui reste dans une jolie course derrière Varia Liro. Il y a Hayako Lead qui est dans une très bonne condition. Death in the Wind, coating pas extraordinaire, mais il paraît en léger progrès. Wind Power qui a bien travaillé la semaine dernière. Et même Tiger Master qui n'est pas mal galopé sur le dernier des courses avec Auril après avoir raté le départ. Mais au niveau de la classe, Cinchona paraît au-dessus du lot dans sa course. Ça, c'est au Basel, dans les courses en début de saison, derrière Strom, côté qui a battu de peu. Côté qui a New Star également, qui finit au même la ligne. Par la suite, les petits galopins les courses derrière Bandido Caballero dans Fourcette 41, quand ils gagnent les courses bien difficiles. Bandido Caballero, ils gagnent ça les courses devant Max Rapax. Ce dernier sorti, il était gêné au départ avec Sunil Bendu sur le dos, loin de 1500 mètres, remporté par Elite Class. Et nous trouvons les tirs retrouvés à l'extérieur de Gorby ici. Et les tirs à mort sur l'attaque à l'extérieur. Les Tigres battent 5 longueurs environ en Elite Class, ça joue là. Elite Class, même quand ils gagnent les courses, ça prend presque 2 longueurs à l'arrivée. Et vous trouvez pas si fini loin de Gorby, qui termine à la deuxième place dans sa course. Après sa course, c'est Valen Piedi, 10 points. L'osso rating, donc il retrouve lui dans sa fourchette 0.30 là, sur l'entraîneur, tu es capable, idéalement 1850 mètres, tu peux meilleur ou lui. Mais si tu es rentré d'ailleurs dans la 7e course, mais tu peux galoper contre Thierry Vecham, Orba et compagnie. Donc, sur l'entraîneur, décide de mettre l'eau 0.30, même si, par coup, l'un petit kit pour lui, penser d'après l'autre qui sont là
à sa portée dans sa première course. Un cheval que vous pensez capable d'inquiéter Tintiona dans les courses? Bon, il y a Lividus qui après l'opération la gauche, il galope un sprint la dernière fois, qui pas fait une mauvaise course derrière tête bassette. C'est vrai, là, il improve avec ce bon l'année et Daniel Moore en seul, nous capable d'attendre à ce qu'il réalise une bonne course. Et je considère Roman Express comme un très bon outsider. Ce coaching pas extraordinaire, mais c'est vrai, là, il galope des bonnes courses l'année dernière, il se entraîne et profite de sa bonne forme pour aligner dans sa chambre là. Il bien accéléré et derrière Verriel Hero, loin de parcours un peu sharp pour lui et à ce dernier sorti. Mardi, il bien travaille à l'extérieur de Ride to Tango et je pense qu'il peut faire une bonne course avec le jockey Goumane. Un petit mot de Tiger Master. Oui, c'est Valen bien terminé et avec Auril après avoir raté Fly Jump au départ à ce dernier sorti. Il a seulement 54 kg sur les deux. Si c'est un Sévan, s'il prend une bonne réponse, je pense qu'il n'a suffisamment pas. Pour qu'il n'y ait pas de galop devant dans les courses. Tactiquement, si on veut gagner les courses, il faut bien réduire les courses. Parce que la première fois de ce carrière, il n'y a pas de galop de sa parcours. C'est un cheval qui a gagné le 1000 mètres en Afrique du Sud. Donc, s'il tenait la distance, il est capable de disputer l'arrivée. Mourad, qu'est-ce que vous pensez de sa première course? Je pense que Sinchona reste le meilleur du lot. De sa dernière sortie, avec Krikitifé, Deye Strum. Bon, on sait qu'il donne rating 36 si il fait les courses d'Estrum. Ça se voit là qu'il domine, termine devant New Star. Bon, on sait qu'il est difficile pour partir de ça les courses, surtout qu'il donne rating 0,30 et les courses en handicap. 650 mètres, un bon parcours pour lui. Et si on nous regarde ce fils, là, il a un gap de rating 41, domine de 36, 41, 36, maintenant 0,30. Bon, on sait qu'il a basé le dernier sorti, il y a une certaine élite classe. Et maintenant, confié à Bassan dans le 0,30, bon, c'est plus difficile de battre. Lividus, avec la troisième ligne, dans le fencer, ça c'est voilà. Il peut apprécier les bords. Bon, on sait qu'il fait jouer les courses. Après ce dernier des courses, il compte des galops. Après ce des courses, il travaille sur deux tours aux côtés de Wingman, si je ne me trompe pas. Bon, on sait qu'il l'entraînement, il fait pour viser ça les courses. Bon, on sait qu'il prend un sens. Et l'ambassadeur Rex. On est dépêché à chaque fois demander les courses handicap, mais il attend de gagner, mais tout le temps il peut terminer dans il peut être plus fort qu'il est. Mais 650 mètres avec 9e la ligne, avec la présence de Obama et Tiger Master, je pensais qu'il pouvait carry wide un petit peu. Et ça a joué dans ce défaveur en fin de parcours. Et Roman Express, il ne sait pas qu'il peut progresser, il peut faire gain de mal cette saison. Dès sorti, un 4e mais qu'un 2e passe à 0,05 longueur de The Real Hero. Et moi, je pensais que ce ligne moyenne est capable de surmonter, surtout d'un rating 0,30. Mais ce cheval-là peut progresser. Je pensais qu'il nous faisait être le jockey qui n'a pas gagné trop pour la montée depuis Emile Maurice. Je pensais que le jockey est capable de bien être monté avant parce qu'il a encore des trois la montée. Et que Roman Express, c'est un bon cheval, mais pas qu'on ait mal pu terminer sur les courses. Mais pour moi, la victoire peut-être à Sinchon. Oui, il nous tient un coup de main de poids, main de cheveux. Dans la 6e course, nous remarquons qu'il Top Jet fin prend 6 kg, alors qu'il Diamond Knight fin perdit 4 kg. Alors, dans la première course, il y a une belle évolution au niveau de la côte, alors qu'il Obama fin perdit 12 kg sur la balance. Nous passons maintenant à la 2e course de cette 19e journée, qui pour disputer sur 1500 mètres. Wonderland, Craftman, Shanghai Kid, Alabalu, Max Rapax, Siddharth, Bright Shining, Double Dash, Catwalk Model, Rowantas et Ocean Hunter. Nitin, dans sa course, Craftman est le favori de la course, mais il a beaucoup de bons prétendants qui sont capables d'inquiéter dans les courses. Oui, tout dépend de comment les courses vont dérouler. Craftman, la dernière fois, il a galopé 365 mètres. Il est sorti d'un coup de couloir à l'extérieur. Il est très bien souhaité. Mais finalement, Smitten qui décide pour prendre le commandement. Pour aller les suivre en one-off à l'extérieur. Donc, si c'est Valen, ce comme ça, l'autre est 165 mètres, mon pensée, l'autre 1500 mètres, il faut probablement les bouts devant après 100 mètres les courses dans sa 2e course. Hein. C'est Valen, toujours très très bien. C'est un Valen qui a les pieds délicats, mais selon ton bras, il prend beaucoup de soin avec lui, il est dans une très bonne condition. Et nous trouvons la dernière fois, même si il galope à l'extérieur, il nous obtient une accélération à la fin. Il a toujours sa tendance vers à l'intérieur dans la ligne droite. Mais vu qu'il est pour le bord tranquillement après le départ, donc il gagne l'appui des bords dans la ligne droite. Et mon pensée, si
personne n'a pas le parler devant. Il est pour difficile à remonter dans la ligne droite parce qu'il est pour probablement les pour réduire les courses avant les pour sprinter. Bon, il y a une possibilité qui a, c'est pas essayer de galoper lui. Le principe, mais un man candidat qui est capable éventuellement d'essayer de galoper devant, il y a quatre autres modèles qui peuvent munir des ailleurs pour la première fois, qui travaille avec ça l'équipement-là, le Grand Piste, il y a deux semaines de cela, il réalise un excellent barrier trial. C'est valable dans une superbe condition. Mais est-ce qu'il quand se jockey pour bounce lui, pour essayer aller devant avec lui, avec les blinkers, est-ce qu'il s'est valable pas pour montrer lui un peu troquin? Kraftman, il est capable, laisse Kraft pour modèle aller, il y a 6 en deuxième position, ça n'a pas posé aucun problème, et vient au finish. Donc, tout dépend comment Kraft pour modèle pour s'être dans les courses. Et à la balou également, dans une superbe condition, on a eu l'occasion de trouver lui hier matin. C'est valable très très bien, il peut retourner après une break. Il s'est bien galopé au début d'année de Yestrom, donc nous pas éliminé. Il y a Max Rapax qui, sur dernier coup, d'un Raven, il s'est piégé par le train imprimé par le meneur, remuni des ailleurs à nouveau. On pensait nous faisait respecter lui, c'est un cheval bien régulier dans sa classe. Ça. Et un cheval encore qui paraît bien, très bien à l'entraînement, c'est Sidor, qui est dans une condition nettement améliorée. Et qui, depuis 2-3 semaines, il a démontré un progrès constant à l'entraînement. Il a 2 semaines, il s'est réalisé un très bon galop en compagnie de Captain McPie et il continue à progresser par la suite. Il tient bon la ligne, donc nous capables d'attendre à ce qu'il galope en progrès. Mais le cheval à battre, le papier reste Kraftman. Un petit mot au Bright Shining. Bon, pas de mal galoper la dernière fois derrière Hancock Dynasty. C'est un cheval délicat. L'initial à 7ème ligne, et ça pas nécessairement sur l'avantage. Et Rouentas qui te peut figurer parmi mes favoris la dernière fois? Oui, et le parcours allongé est probablement plus ça sur l'avantage, mais il y a aussi l'initial de mauvais la ligne, et façon qui Kraftman in domine la dernière fois, il est difficile pour renverser la vapeur, même si Kraftman prend une pénalité le handicap et qui est aligné dans un parcours plus allongé. Mais vous avez également qu'il s'est valable là en Afrique du Sud, il tirait l'occasion. Souvent, il ne peut pas les ayer, mais il peut continuer à galoper sans à l'équipement là, ici au champ de Mars. Mais probablement, peut-être qu'il se l'entraînait, il a une bonne raison qui fait qu'il ne peut pas mettre Blinkers avec lui. Bon, ce premier les courses, donc, il met des types bien terminé derrière Martin. S'il réussit, si on monte sur mauvais la ligne, il est capable d'avoir un rôle à jouer à l'arrivée. Mourad? Moi. Le moment que c'est là qui est meilleur finisseur dans les courses entre Kraftman et Max Rapax, parce qu'avec la peau des blinkers à nouveau, vous pensez que Max Rapax a besoin de se jockey pour solliciter lui au départ pour qu'il surmonte sur 10e la ligne. À ce moment, Kraftman pour déjà devant, mais vous pensez si Max Rapax réussit à arriver, lui suivre en 2e, 3e position, parce que quand nous sommes sur le racing pattern, il est toujours 3e, 4e position, 2e position. Et s'il réussit sur monte sur 10e la ligne sans grande difficulté, il positionne lui aux côtés des meneurs 2e, 3e position, 1-off. Je pense qu'il a 1500 mètres, puisqu'il retourne depuis les courses 1850 mètres, ça ne va poser aucun problème. D'ailleurs, il fait une jolie course avec 62 kg la dernière fois. Et quand il est piégé avec le pas imprimé par Don Raven. Et quand il y a les courses, on trouve Wonderland, un finisseur, Shanghai Kid, un finisseur, Alabalou, un Sidor, un finisseur, Brad Channing, un finisseur. Alors, même Double Dash. Au 20h, c'est un finisseur. Alors, si vous prenez une marque de train contre Kraftman pour retourner facilement devant, et Max Rapax, puisqu'il est aussi rapide au départ, il est capable de surmonter sur la ligne pour positionner dans une striking position, qu'il est capable à la fin d'essayer de remonter Kraftman. Pour moi, Max Rapax, de sa forme, il est irréprochable. Pareil que Max Kraftman, vous pensez que la victoire, vous jouez en ça de ce cheval-là. Et que vous êtes capable d'éliminer Sidot, qui est un cheval qui peut progresser, surtout avec première la ligne. Si nous sommes capables de signer une bonne chance dans la première course qui se capte des classes, vous pensez avec première ligne, qui est un Sidot qui est débalancé au départ la dernière fois lui aussi, vous pensez qu'il de sa rating là avec première ligne, Sidot bien donner un sens pour pas accorder un troisième sens derrière les deux favoris. Un petit bol au Shanghai Kid qui peut descendre pratiquement de deux classes. Shanghai Kid, vous connaissez chaque fois, je suis sur ce cheval-là, mais il n'a pas donné sa finish qu'il voulu là. Il n'a pas montré moi sa finish qu'il s'est montré quand il s'est gagné là. Même si Fenzoï les courses à une longueur 35 de Yotipan, l'autre avant-dernier sorti, il trouve une bonne forme ce cheval-là. Mais bon, il peut terminer une fois, mais c'est moi ça a fait qui 11e la ligne et ben, c'est pas le Marc Rapax, c'est Kraftman qui peut déjà devant. Je pense que c'est pas un petit peu difficile pour lui.
Au niveau des poids des chevaux, nous remarquons que Double Dash fin prend 6 kg, alors que Rowan Tass fin perd 17 kg. Nous passons maintenant à la troisième course sur 1365 mètres avec 9 partants. Mighty Mouse, Lucky Valentine, Count Emmanuel, The Flying Machine, Mount Ilabai, Acapella, Hancock Dynasty, Constellation et Golden Shake. Nous remarquons qu'il Mount Ilabai et Nitin sont alignés pour la deuxième semaine consécutive. Oui, pour voir quoi il faut battre Mr. Leyen la semaine dernière, mais vous pensez qu'il est capable de faire mieux s'il est parti held up for a run depuis 450 mètres du but. Le tir se va tirer trop vite derrière Joey Legacy et Apple Pie. Et, l'inbox n'est pas capable d'improver sa position et dans la ligne droite également, il rencontre un trafic problème ce jour-là. Sinon, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est une course bien ouverte, sa troisième course. Hein. Mighty Mouse qui peut descendre une catégorie, qui s'est retiré la dernière fois pour cause de boiterie. Il a ce sens dans sa course. Hein. Il fait mal galoper derrière Red Tractor, Indaba My Children ou encore Scorecard plutôt sa saison-là. Dans l'équivalent time, qui est dans une très bonne condition, qui est dans une condition améliorée par rapport à ce dernier les courses. La dernière fois, je n'ai pas oublié, il fait un gros effort pour prendre le lead. Il se challenge également par Van der Skeele au bas de la descente. Dans la ligne droite, il se hanging. Les courses remportées d'ailleurs par Count Emmanuel. Bon, il a la 8e ligne, mais s'il réussit sur un monde sur la ligne, je pense qu'il est capable de venir sur moi à dire. Count Emmanuel, il a gagné la dernière fois. Je pense qu'il peut essayer d'être même tactique. The Flying Machine, pas fait une mauvaise course derrière Hillbro avec Réa Zula sur le dos. Il a une course difficile à l'extérieur en épaisseur. Mais il est parti sur classé. Mais c'est un cheval qui a souvent un petit problème. Donc, il faudrait tout le monde conditions réunies pour les capables de bien faire. Mount Ilabai nous dit qu'il fait, d'après moi, se entraîner et aligner. Parce que vous pensez qu'il est capable de faire mieux la semaine dernière. Acapella dans une très bonne condition. Mais sur mauvais la ligne, capable de jouer contre lui. Et la Hancock Dynasty qui gagne avec beaucoup d'autorité avec Naiko à sa dernière sortie. Qui peut monter deux catégories. Si jamais il a un périte de l'épouse, vous pensez qu'il n'a pas. Bon, on sait même s'il est démontré de classe, il est capable de démontrer et profite de se faire valoir son accélération dans la ligne droite. Donc tactiquement, ce qui pouvait dérouler au départ, pour bien important, la dernière fois quand Emmanuel a gagné, il y a une rush sur les premiers mètres, c'est normal qu'il a mis, qu'il faisait bounce pour cross les Chouva. Pour la suite, l'équivalent time, il le devant, Van der Skeele descend au lit. Au bas de la descente, c'est qui fait les affaires de Call of Courage et de Count Emmanuel qui dispute l'arrivée. Cette fois, Count Emmanuel tient la première ligne, mais mon parcours se joue pour prendre le risque pour bouncer. Bardotier, mon conseil dit pour faire de sorte qu'il essaye de placer devant Count Emmanuel. L'équivalent d'Ali, il pouvait faire des efforts pour cross sa décevant. Là, Golden Sheik, le compagnon d'écurie de l'équivalent d'Ali également, il n'a pas, il est aussi capable d'essayer. À son tour, vient placer devant sa décevale là. Donc, la partie initiale, c'est que vous déroulez ça pour déterminer pour la suite les courses. Moi, j'ai une petite préférence pour Mount Ilabai et dans sa bonne circonstance. Un petit mot de constellation. Bon, les panthères classés sur les courses, tiennent un manque de train au bas de la descente et le jeu qui avance, il nous prend l'initiative, rapproche-lui des meneurs, il manque d'accélération pour la suite. Il tient la quatrième ligne. Je pense qu'il nous a perdu au moins 4 points sur le rating. Je pense qu'il a perdu un point sur les courses parce qu'il a gagné 11 ans la semaine dernière. Ne pas éliminer complètement, peut-être une passe dans les combinaisons. Mourad? Comment il a expliqué pour une rush au départ, livré avec la présence de Golden Sheik. Moi, Maurice. Vous pensez le rôle à jouer de Golden Sheik pour déterminant pour ce compagnon d'écurie, Lucky Valentine, parce qu'il est possible aussi Nitin qu'il y sorti, parce qu'il est rapide avec 50 kg, 51,5 kg de sur les deux. Il sorti après, il trappe, il calait sur Lucky Valentine, allez, c'est une possibilité. Mais vous ne pensez pas aussi facile pour lui faire dire, parce qu'avec la présence de Count Emmanuel, avec la première ligne, Mount Ilabai la deuxième ligne, mais il est sans doute qu'il prenait un bon pas initial de sa course et. Dans sa manque de circonstances, nous préférons, c'est toujours, il tourne vers un bon finisseur. Et là, à ce moment, nous avons Mount Ilabai et Hancock Dynasty, qui, Hancock Dynasty, la dernière fois, ici,
livré qui est sorti de la première ligne, mais c'est moi parce qu'il y a une course aussi facile que tu dis bien, trapper, mais Colin tourner, il gagne l'ouverture dans le final, il kick well, et il termine sur les courses, il gagne sur les courses pour 1.5 longueur. Mais bon, c'est l'osa performance avec sa rush qui peut être de sa course, et que le pas de la course capable favorise encore Ginasti qui trouve une super forme actuellement. Bon, moi, je vois que les meilleures chances encore Ginasti devant Mighty Mouse. Sur la balance, nous remarquons que Mighty Mouse fin prend 3 kilos, l'équivalent Time perd 4 kilos, Constellation prend 4 kilos, alors que Golden Shake prend 3 kilos. Nous passons maintenant à la quatrième course, The Weekend Challenge Trophy sur 1500 mètres qui finit à 8 partants. Cherbourg, Headstrong Harry, Laserbolt, Fury Equatie, Princeton qui finit retiré de la course pour cause de boiterie, Checker, Man of His Word et Esteco. Nous remarquons que Fury Equatie est retourné après ce brillant d'ailleurs, deuxième place de Hill Brunikin. Je pense que c'est capable de faire mieux ça jour là. Il perd sur les courses, les temps où il place devant lui et où il, par la suite, ramené par son cavalier, il laisse. Gilbro passe devant, on espère qu'il y a l'occasion de faire les courses. C'était une course qui s'est galopée au 1500 mètres, nous avons vu Fury Equatie qui sortit du premier couloir, il est bien sauté ici, mais par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'Ouli vient placer devant lui. Et une fois qu'Ouli place devant lui, vous trouvez Ouli se joker ramène lui, et Fury Equatie commence à tirer derrière, et Ouli laisse par la suite Gilbro prendre le commandement ici aux environs du 1200 mètres. Par la suite, là, nous trouvons Fury Equatie qui s'est devant peu après le départ, il est retrouvé en avant-dernière position. Là, les courses sont finies parce qu'il il réduit les courses à un swing et Fury Equatie peut bien subir la course. Dans la ligne droite, l'étoile il trouve l'ouverture, les courses sont finies. Gilbro finit par le first run, mais malgré ça, c'est mal là pour prendre une bonne deuxième place à l'arrivée. Donc, façon qu'il les courses sont déroulées, nous capables de conclure qu'il premier ligne partit nécessairement un avantage pour lui. Dans ma circonstance qui les poussins déroulés la dernière fois. La ligne tient mauvais la ligne. Probablement pas prendre encore beaucoup de trains comme la dernière fois. Et ligne gagnant en courant à l'extérieur, il se bat Corsol très facilement. Moi, penser il est capable de faire la différence. Cette fois, son principal adversaire, certainement pour Headstrong Harry qui la dernière fois, il y a une course assez difficile. Et la ligne tient meilleur la ligne. Le parcours allongé d'un moment pour plus à son convenance. Et le papier dans mon livre, le principal adversaire de Fury Equatie. Que vous pensez de Laserball dans les courses? Avant nous cause Laserball, quand même, nous avons gagné les courses Headstrong Harry, nous trouvons avec sur la ligne extérieure, la ligne est presque free wide en arrière gauche. Il est toujours en 9 pays à ce stade et il y a une rideau de chevaux devant lui. Et nous trouver les temps de ce jockey pour solliciter. Il faut bien accélérer en épaisseur toujours. Il faut contourner le peloton en épaisseur. La ligne est un peu incommodée par Liam, nous trouver, qui ne verse un peu à l'extérieur. Mais c'est Valen bien fini à la fin. Pour finir environ une longueur seulement de. Illusible. Bizadia, quand il tire retour, les guéris, ça doit être dans une trace 10 ans de se tracher, mais rien de grave parce qu'il reprend l'entraînement assez vite. Et ce matin, on trouve lui dans une très bonne condition. Checker qui nous remarquait dans une condition nettement améliorée. Oui, dans une condition nettement améliorée, mais pour vous avoir une circonstance pour être capable de dominer les jeunes chevaux comme Fury Equatie et ou encore Headstrong Harry Cavalis. Mourad, vous pensez que Fury Equatie est capable de justifier sur la côte de favori? Bien sûr, parce que ça c'est valable. Tu veux faire un 30-60 dans sa découverte, mais pas une pas autant qui est aligné. Un 30-60, il fait le 1500 mètres sans force race avec 60 kg. C'est une fois là avec 58,5 kg. Je pense que le sad performance là, avec sa man, c'est pas là qu'il est confronté samedi là. Je pense que il reste une des meilleures chances de Ricky Mingo samedi. Oui, c'est un aligné, pas un problème pour lui parce qu'il est pénamment aussi rapide de sa découverte. Comment Checker, comment c'est pas qui suivent toujours en arrière gauche, comment Cherbourg, Laserball, Princeton qui nous retirait. C'était quoi, c'est pas qui nous pas comprendre sur Racing Pattern, il est incompréhensible, parce qu'il y a une fois il est devant, il y a une fois il est deuxième position, il y a une fois il suit en arrière gauche. Alors, il n'y a pas une belle influence sur le déroulement des courses dans la partie initiale. Mais pour moi, si,
nord il doit normalement il parle devant parce qu'il vient de se faire rapide, il peut retourner le sauf, il peut retourner sur premier sur huitième année là il est pour fraîche, il peut sortir avec son quatrième année, il partit devant. Mais Fury quoi, il est pour sûrement sur huitième année facilement. Et si tu retrouves lui, pareil comme si Gabriel les courses des costes là, faut pas penser maintenant pour rester dominer. Mais bien qu'on donne bonne chance à Headstrong Henry aussi qui quand on gagne ce dernier des courses, on trouvait qu'il gagne des courses difficiles. Pareil comme Fury quoi, il est parce qu'il est des courses difficiles, mais circonstances, tu partis de sa faveur. Mais cette fois-là, Fury quoi, il est pour devant Headstrong Henry, faut penser les courses ça pour les bouts difficiles là-bas. Sur la balance, nous remarquons qu'il chez Abou fin perdu 5 kilos. Alors que Headstrong Henry prend 10 kilos, contrairement à Laserbolt qui perd 7 kilos. Nous passons maintenant à la cinquième épreuve, le Mauritius Centenary Souvenir Trophy, le 1850 mètres qui finit à tirer 9 partants, Blood Buccaneer, Emerald Approach, Hot Rocket, Independence, Tube Wave, Sea Major, Grace Champ, Parker et Pont d'Avignon. Blood Buccaneer qui peut revenir après une victoire au 600 mètres Nitin et qui reste le favori de la course. Oui, c'est un cheval très régulier qui, sur 6 derniers sorties, il gagne 3 les courses, il récolte 3 deuxièmes places. Il est toujours là à l'arrivée, il maintient une très bonne condition. Ce dernier les courses, il gagne ça de façon convaincante. Dans le galop, le détour en compagnie de Bull Sarah mardi, il nous fait une très belle réplique à son compagnon d'écurie à l'intérieur. C'est un cheval qui peut respirer la forme actuellement. On va le trouver donc un très bien travail à l'intérieur de l'excellent Bulsara. Mais vous allez dire que l'opposition paraît plus coriace par rapport à ce dernier des courses. Il y a tout aussi Média qui est monté par le jockey avant la dernière fois. Il prend une pénalité au handicap par rapport à Simédia, la dernière fois, Simédia, tu avais une 61 kg, tu avais une 59,5. Cette fois, Lili permet une 60 et Simédia 59,5. Et Simédia, une tire à l'intérieur avec une première ligne. Ça peut aider Simédia parce qu'il va nous trouver la dernière fois dans la ligne droite. C'est valable dans la tendance en ligne. Il est content dans l'offense. Donc, ça peut aider Simédia qui est un bon outsider dans sa découverte. Et là, également, dans sa découverte, Independence et Pont d'Avignon qui. Si galope dernièrement championnat 4 ans, l'eau 1850 mètres. Independence qui sort aussi 3e derrière Roman Manet et Top Jet. Voilà, bon, nous regrette ça les courses. On va le trouver au départ, Independence si bien souhaité. Et Roman Manet qui prend la direction des opérations. Il est trouvé dès le départ, jockey Pont d'Avignon, c'était Rai Jouawan. Il ramène Pont d'Avignon en queue de peloton derrière Blaze of Noon. Là, nous, au bas de la descente, le jockey mou, il continue à réduire les courses. Il n'a rien du tout et il a trouvé Pont d'Avignon peut tirer en queue de peloton. C'est valable bien clean. Et nous, tout arrive environ 600 mètres. Nous, vous trouvez qu'Independence qui est en deuxième position et Top Jet qui est en troisième position. Tous les deux décident pour déboîter. Qui fait parce qu'il n'a rien devant. Mais Pont d'Avignon, lui, continue à rester en queue de peloton. Là, il n'a aucun sens de gagner les courses. Parce qu'il est conseillé de réduire au sprint. D'ailleurs, sa 3 séval qui prémit là, c'est sa 3 séval là même qui pour disputer les 3 premières places. Pour d'Avignon, lui, il a encore payé. À celle-là, il fait son mou. Il finit à battre de toute façon. Hein. Et quand il rentre dans la ligne droite, il peine à passage. Il n'est pas du coup gagné, mais il termine plus près. Si je pensais, s'il tient un sens, on veut gagner les courses, tu disais. Quand ce cheval, tu peux tirer au bas de la descente, tu viens rapprocher. Bon, le trouver ce cheval-là, il finit 3 longueurs environ de Roman Manet à l'arrivée. Independence, il finit à 1,55 de Roman Manet. Independence, qui c'était ce deuxième les courses, il peut galoper après 2 semaines. Il n'est pas aussi fit qu'il était à cette là. Là, il est bien improuvé depuis ça les courses. Malheureusement, il tient la 9e ligne. Et. Ce qui est plus important faire ressortir, c'est ça les courses là, c'est Mauritius Derby, c'est galopé à poids pourage, tous ces vols ça mène 58 kg, Top Jet 58 kg, Pont d'Avignon ça mène 58 kg, Independence ça mène 58 kg, là Independence c'est dans 60 kg, Pont d'Avignon il a 55 kg. Donc là, ça les courses là, mon pensée, nous faisons respecter beaucoup Pont d'Avignon. Que vous pensez de Tube Wave qui peut retrouver un benchmark de 61? Oui,
Ensuite, de retrouver Benchmark 61, plus important pour lui, c'est qu'il est aligné pour la première fois le 1850 mètres, qui est ce parcours idéal pour lui. C'est valable, il travaille en compagnie de Top Jet mardi. Mais c'est valable, il ne fait rien de mal, même si l'Ingaloup, l'OCD 1500 mètres cette année-là, c'est une sorte de second derrière Master Mascou, c'est une course qui est capable de gagner ce jour-là. C'est une course difficile à l'extérieur. D'ailleurs, nous rappelle le jockey du Rawan et le jockey de l'Irena. Comme c'est qu'on veut que après les courses, il a gagné position durant les courses, il s'est retrouvé en épaisseur. Lors de la 11e journée, il a battu en réadmiral. Malgré lui, il est retrouvé un peu trop proche du pas ce jour-là. Il partit de l'écoute, il réduit un sprint. Et il n'est pas tout capable de sprinter dans cette condition-là. Et la dernière fois, nous avons sur les courses, on se trouvait. Là aussi, il partit à train. Et les derniers Recall to Life à ce stade, Recall to Life, vu qu'il pénètre, il commence à tirer. Et lui, ce jockey retrouve derrière Captain Feuf. Il peut bien subir les courses. Les coussins réduire complètement et dans la ligne droite, les temps ils gagnent l'ouverture. Bon, pas courant, ils pourraient les coussins là aussi, mais. Ils sont gênés par Captain Feuf. Mais le train, façon qu'il est aussi déroulé la dernière fois, parti de sur l'avantage et tout. Et là, le 1850 mètres, plus parcours, plus beau pour lui. Bon, on s'est capable d'amener un peu plus rythme cette fois avec la présence de Parker. De Independence. Je pense également qu'il aimerait l'approche probablement cette fois-ci. La dernière fois, l'ONC 100 mètres, le jockey Gunnowan, il y a instruction pour descendre. Je pense cette fois, l'eau 1850 mètres, sur le jockey Goumani, certainement, pour gagner plus latitude d'attaquer ou de la descendre. Et ça, capable, certainement, lance davantage des coussins et ça pour jouer en faveur d'un moment man finisseur. Grace Chap qui peut retrouver un parcours plus dans ce côté. Oui, et c'est mal pas de mal faire la dernière fois, ils nous suivent décrocher. Je pense que c'était une course qui est capable de faire mieux. Nous rappelle que quand il gagne ce seul les courses ici avec ses géants, lui aussi c'était un cheval qui compte des morts de loin. Il a bien travaillé l'entraînement. Peut-être qu'il lui aussi est capable d'essayer un moment et un autre, fausse le pas au bas de la descente. Mourad, que vous pensez dans les courses là? Premièrement, nous retournons vers l'entrée quand tu as Beacon Fair dans les courses, mais Patrick Mervin décide d'aligner, il décide de retirer Beacon Fair et qu'aligne C-Major, Grace Champ. Vous pensez qu'il y a bien quelques idées en tête, mais la présence de Parker qui peut retourner après, qui peut monter pour Daniel Moore, quatrième la ligne. Et Daniel Moore, il y a un jockey qui tire ses balles bien d'estal, vous pensez, pour devant facilement. Et moi, personnellement, je suis bien content C-Major dans les courses. La dernière fois, Patti n'a aucune chance pour lui battre Blood Boucanier puisque il est derrière Blood Boucanier. Je pense que c'est un mauvais jugement. Okay. Si il tient pour dominer Blood Boucanier, ça joue, il est obligé de retrouver devant Blood Boucanier pour qu'il domine ce val-là. Et ce val-là, il a tendance à hanging dans la droite finale quand il n'est pas capable d'ajuster ce val bien et qu'il termine à la deuxième place. Je pense à l'allongement du parcours, 1850 mètres pour, en faveur de C-Major, qu'il ne fallait pas oublier que C-Major, c'est un cheval qui disait dans une classe supérieure, il peut descendre, alors que Blood Boucanier, c'est un cheval qui peut gagner les courses, peut monter pour un rating et peut monter classe. Et cette fois-là, Blood Boucanier peut retrouver dans un lot de 9 chevaux. Et Neman Seval qui déjà fini confirmé sur la distance, par exemple Blood Boucanier, mais Neman Seval qui confirmé sur la distance et fini gagner les courses devant une classe supérieure. Mais dans sa course, comme on a dit, expliqué le pont d'avion, je pense qu'avec un rating de 47, ici, dans sa course derby la dernière fois avec 58 kg, pour terminer à 3 longueurs 30 derrière une Top Jet, derrière une Roman Manor. Et cette fois-là, il est retrouvé avec 5 kg en moins au handicap comparé à Blood Boucanier. Et qu'une course qui est capable de lancer au début, que tu n'es pas pour tirer, je pense qu'il y a un pont d'avion et un grand sens. Si Major, il ne faut pas nous éliminer. Et que nous ne pouvons pas éliminer aussi Two Wave. Mais Blood Boucanier, dans ce forme actuellement irréprochable, ça les course d'après moi pour jouer entre ça 4 chevaux-là. Nous passons maintenant à la 7e épreuve, The Royal Roscoe Cup, au 1850 mètres, qui finit à 10 partants. Cherry the Charm, Orba, Wingman, Rebel's Game, Tembu, Lancewood, Dunraven, Mighty Lion, Fort Noble et Timog. Nous retrouvons Cherry the Charm sur une distance plus à sa convenance, n'est-il? Oui, l'Ingaloup 3 les courses ici, sur des derniers les courses, vraiment très impressionnant. C'est un cheval qui m'a pensé beaucoup trop fort dans sa catégorie-là. Même si l'in finit à deux longueurs, environ 2000 stéléiennes, la dernière fois, on a trouvé l'in perdu un point, le rating.
Je trouve que pour les Sagwinkers, ça joue là, il y a le, en épaisseur, c'est une bonne partie du parcours. Là, il est wide. Je trouve Mr. Legan à l'intérieur. Et il y a un picking avec sa sidewinkers. Il est toujours en épaisseur, et puis on entame la montée. Suzuki pour décide pour la suite pour ramener le fait passer aux 1200 mètres, toujours en montée à ce stade, toujours wide. Là, il y a une vignoire à 9 parce que Mr. Leyen est au bord. Mais il pourrait trouver wide quelques mètres plus loin. Quand le sprint lancé, il est plus wide qu'il est au départ. Et un cheval ordinaire qui vous a sorti dernier après un tel bon coup. Et nous trouvons que ce cheval-là n'a pas give up. C'est un bon signe pour un cheval qui a 3 ans à l'époque. Et Mr. Leyen trop fort dans les courses-là. Mais nous trouvons à la fin, il remonte Levanto et Blueberry. Bon, on sait que c'est Valène progresser l'eau sur les courses, parce qu'il a un très bien travail vendredi et surtout mardi matin, réalise un excellent travail. Pas pour un hasard si David délaisse en bas avec Pouta, avec lequel il a aidé les courses pour une montée. Moi, personnellement, je suis surpris s'il perd sur les courses. Et nous vous a dit qu'il utilise le charme, il perdit un point au niveau de son rating, ce qui permet de participer à sa course de benchmark des 31 ans. Oui, c'est un cheval qui a gagné l'eau 2000 mètres en Afrique du Sud. Ça a trois les courses qu'il a galopé, parce que comment vous trouvez, c'est après ça que les courses il peut continuer à progresser. Là, il progresse encore, mais sauf que cette fois, il tient bon la ligne, il est bien aligné dans un champ inférieur, même si tu galopes dans 36, pour penser que c'est difficile à battre. Mais l'handicapé, il tient pas en ligne, il peut galoper dans un champ beaucoup plus faible. Pour penser que c'est un cheval qui est pour bien, bien difficile pour battre dans sa 7e course. Que vous pensez le Rebels Game? Rebels Game, il maintient une bonne forme, mais à ce stade, même si Rebels Game a gagné les courses, moi, je suis trop impressionné par Thierry Jessom pour capable de naissance Rebels Game dans sa course. Sauf Rebels Game capable de gagner si Thierry Jessom a un problème. Que vous pensez? Mais ça fait qu'il s'entraîne et décide de retirer les sidewinkers, j'aurais dû pas penser pour une... Non, parce qu'il commence à gagner ça les courses, c'était une des courses qui a galopé le 150 mètres, nous trouvons qu'il est bien king. Là, il peut monter distance, s'il montre aussi king, c'est pas pour bon loin de 1850 mètres. Vous pensez que c'est la raison pour laquelle qui Malin décide pour tirer sa sidewinkers avec lui. Vous pensez que ça les courses, Samuel? Moi, je pense que les courses, normalement, ils ont une dispute entre Thierry Jessom et Orbay Rebels Game, trois meilleurs chevaux du lot. Et Van Seval est aussi un distance à Wingman, malheureusement, c'est une 9e ligne quand il a besoin, selon moi, qu'on tourne le peloton wide quand il tourne. Mais moi franchement, je ne suis pas aussi impressionné par Thierry Jessom parce qu'il n'a pas gagné les courses, Maurice. Alors qu'il est Orbay. Je suis d'accord que Thierry Jessom peut progresser. Orbay reste deux victoires. Et ce dernier victoire, quand il se trouve en Oyagard, il termine en bolide pour dominer Arrowhead. Je pense que sa distance du jour, là, 1850 mètres, il est en faveur de Orbay. Et le fait qu'il y peut retourner après 7 semaines, et c'est voilà, trouver dans une bonne forme, comment on trouve ce galop là, avec Tia. Mais je pense que de ça, les courses, ça, et que ça mène le cheval qui est là, avec comment Mighty Lion qui n'a pas fait non, il s'en allait là, Nafort Noble qui reste une victoire, mais dans une catégorie inférieure, Timo qui ne sait pas qui peut progresser, mais sa catégorie là, fort pour lui. Nous ne pouvons pas comporter Timo avec un Thierry Jessom dans le pareil, à ce stade de la compétition, et Tembo Lanswood, Dan Raven, la dernière fois, il imprime ce propre train, cette fois-là, il a une remise de 2 kilos. Je pense qu'il est capable d'aller devant, mais pas pour aussi facile pour lui avec la présence de Mighty Lion et autres Rebels Game qui sont aussi pour essayer de trouver une bonne position. Mais pour moi, personnellement, je pensais qu'on va gagner les courses. Nous remarquons sur la balance, Thierry Jessom fin perd 5 kilos, Wingman fin prend 9 kilos, alors que Timog fin prend 10 kilos. Et je vous ai ajouté une affaire, Kamles. Si vous rappelez les courses lors de la 11e journée, Thierry Jessom a galopé devant avec Even Chance. Et ce jour-là, il close qui réalise meilleure performance chronométrique l'eau 1500 mètres sans l'année là. Donc, cette fois l'eau 1850 mètres avec une première ligne, pas pour étonnant si Thierry Jessom a galopé devant dans sa course.
Nous passons maintenant à la 8e épreuve, The Pretty Molly Plate, l'autre 365 mètres, qui finit nati à 10 partants. Billy Bojangles, Evergreen, King's Donkey, City Treasurer, Easy Foo, Obligation, Generous Gent, Pageantry, Fire Curtain et Ritz Cocktail. Nous remarquons que Billy Bojangles s'est retourné pour la deuxième semaine consécutive, Nitin. Oui, il y a le plus 1000 mètres qui passe au parcours la semaine dernière. Il réalise une bonne fin de course pour finir environ 4 longueurs de Hector Vela. Et nous trouvons un peu lent au départ. Nous rappelle l'acteur Vélin, il dit tu vois s'il retrouve aux avant-postes. Il dit suit en queue de peloton. Là, l'idée hier, Canadian Club et Mukajai qui perdent du terrain. Également la Red Lotus Canadian Club Mukajai et Billy Bojangles, les chevaux passent à la rue du gouvernement avec toujours l'avantage. Là, nous voyons Suzuki pas capable de progresser, pas capable de manier ses faux parce qu'il y a Canadian Club et qui devant lui. Finalement, il passe à l'extérieur de Canadian Club ici. Mais la course est déjà jouée devant. Il est parti pour gagner les courses, mais c'est capable de finir plus près et dans la ligne droite de refaire du terrain pour prendre la troisième place au dépens de Red Lotus. Bon, ça, c'était une course qui n'est pas vraiment une référence, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Valen perdit des points à l'issue de les courses. Avant ça, les courses, il est favori dans les courses qui sont remportées par Verriel Hero. Et je me rappelle, ça joue là, après il est décevant, ça joue là, pas si accéléré dans la ligne droite. Sur l'entraîneur, M. Mingot, il y a le radio qui c'est voilà qui retourne à l'écurie avec un gène. Et c'est voilà qui perd un point également après ça les courses. Donc il y a un rating 28 quand il y a le Verriel Hero et il perd un point. Et après sur les courses au millimètre qui passent au parcours, il perd 2 points. Donc il perd 3 points sur les dernières courses. Sur les courses qui se calpent la 9e journée, il y termine 3e à 0.55 de Blueberry, il s'est gêné en deux occasions durant le parcours. Le jockey Goumani qui gagne une suspension pour ça, l'incident-là. Donc, c'est une course qui probablement les pour gagner lors de la 9e journée. Il s'est gagné par Blueberry et par la suite, nous pouvons penser nous bien ignorer ce de l'écoute qui l'a galopé. Là, il peut galoper dans 0.25, donc nous bien accorder de très bonnes chances. Les courses que tu connais un peu pas, d'abord avec la présence de Fire Curtain. Evergreen très très bien, mais il risquait d'être contrarié par Fire Curtain dans sa course. Comme bon outsider dans sa dernière course, je suis bien content. Issy Fou qui a bien galopé derrière Garbi la dernière fois. Au départ, Issy Fou fait des efforts avec Michel Guilla pour Dreaming Combat dans sa course. Il fait des efforts au départ avec Dreaming Combat. Par la suite, il suit bien placé et il n'est pas fini loin de Garbi à l'arrivée. La ligne sur l'entraîneur décide pour raccourcir au sprint. Vous trouvez une mid-side, décide de mettre side-winkers avec lui pour ne pas trop décrocher l'eau la partie initiale. S'il rétrolit dans une bonne position, pour penser de vous faire une bonne course. Mourad? Moi, je suis bien content de la présence de Obligation dans les courses. Quand nous avons trois premiers chevaux dans les courses, Billy Bojangles, Evergreen et King's Donkey, vous avez un rating, vous trouvez qu'ils sont best class. Mais quand vous avez Obligation, vous trouvez qu'Obligation c'est une chevaux qui best class. La dernière fois, aligné d'un bel sport de 31 d'un écoute 1000 mètres avec blinkers, il n'est pas mal fait, il y a des histoires qui tiennent battable ce jour-là. Et quand on sur avant-dernier sorti, 0.30, le 600 mètres, qui n'est pas un parcours qui est approprié pour lui, mais sur entraîneur, c'est lui dans 600 mètres, il met lui dans 1000 mètres, après il fait retourner dans 365 mètres, après que ça s'est valé, il finit par 5 points rating. Ça arrive à là, qui est aligné souvent dans le rating 20-36, rating 31. Maintenant, il trouve un rating de 0-25 avec 60,5 kg et une tierce sur un équipement avec la 5e ligne. Mais bon, c'est moi qui la présence d'Obligation, ce n'est pas pour faire de la figuration de ça, des courses. Vous devez faire bien attention à ça, c'est parce que ça va trouver une bonne faute. Pour moi, la victoire capable de jouer entre Obligation et Billy Bojangles, c'est que je crois qu'on a une bonne chance à Evergreen. Et vous dirigez-nous maintenant vers Floréal pour suivre l'entraînement des chevaux. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Ambassador Rex qui a laissé une très bonne impression aux côtés de Bulsara sur la grande piste,
Roman Express, qui commence à retrouver ses moyens et qui est bien physiquement. Et Cinchona, qui a paru dans de bonnes dispositions et qui a laissé une bonne impression lors de son quinté. Dans la deuxième course, Max Rapax s'est refait une santé à Floréal et il affiche une bonne forme en apparence. Alabalu a été patiemment entraîné et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Bright Shining est en net regain de forme, ayant profité de son dernier galop de course pour améliorer sa condition. Dans la troisième course, Hancock's Dynasty a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Lucky Valentine est en constant progrès et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Count Emmanuel affiche toujours une forme plaisante et il a paru bien affûté ces derniers temps. Dans la quatrième course, Headstrong Harry a bien pris sa dernière course et il s'est montré bien appliqué lors de son quinté. Checker a accompli des signes évidents de progrès et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. Princeton respire la santé actuellement et il a donné entière satisfaction lors de son travail. Dans la cinquième course, Pont d'Avignon est en pleine possession de ses moyens et il a tapé dans l'œil de prendre sa belle forme. Tube Wave s'est refait une santé à Floréal et il jouit d'une bonne santé actuellement. Grace Champ progresse de façon satisfaisante et s'est bien comportée lors de son quinté. Dans la sixième course, Everest est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Vettel est mieux dans sa peau par rapport à sa dernière sortie, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien améliorée. Graze in Control s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il affiche une forme appréciable. Dans la septième course, Cherish the Charm a gagné davantage en condition et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Wingman a profité d'un séjour à Floréal pour parfaire sa condition et il est bien dans sa peau. Dunraven est en grande forme actuellement et son passage au centre Guy des Marais lui a fait beaucoup de bien. Dans la huitième course, Fire Curtain est un très bon track worker qui donne toujours satisfaction lors de ses séances d'entraînement. Generous Jet s'embête en net regain de forme et s'est bien comporté sur la grande piste. Obligation est bien physiquement et il a bien entamé sa préparation ces derniers temps. Nous passons maintenant à un pronostic pour cette 19e journée. Dans la première course de Léoville, l'Homme Cup, l'OC 150 mètres, Nitin. Cinchona, Roman Express et Lividus. Mourad. Cinchona, Lividus, Roman Express. La deuxième course, The Raoul Rivet Cup, l'OC 1500 mètres, Nitin. Craftsman, Max Rapax et Sidor. Mourad. Moi, c'est Max Rapax, Craftsman devant Sidor. La troisième course, The Weekend Scope Challenge Trophy, l'eau 365 mètres, Nitin. Mount Ilabi, Hancock Dynasty et Count Emmanuel. Mourad. Hancock Dynasty, Mount Ilabi, Count Emmanuel. La quatrième course, The Weekend Challenge Trophy, l'eau 1500 mètres, Nitin. Fury Equatil, Headstrong Harry et Cherbourg. Mourad. Fury Equatil, Headstrong Harry, Checker. La cinquième course, le Mauritius Centenary Souvenir Trophy, l'eau 1850 mètres, Nitin. Pont d'Avignon, Tube Wave et Blood Buccaneer. Mourad. Six médias, Pont d'Avignon, Tube Wave. La sixième course, The Turf Magazine Golden Trophy, l'eau 2200 mètres. Nitin. Skippy John Jones, Top Jet et Everest. Mourad. Top Jet, Everest, devant Skippy John Jones.
La septième épreuve de Raoul Roscoe Cup au 1850 mètres, Nitin. Thierry Vecham, Wingman et Orba. Mourad. Orba, Thierry Vecham, Ribos Game. La huitième course de Pretty Molly Plate, l'autre 1365 mètres, Nitin. Billy Bojangles, Issifou et Evergreen. Mourad. Pour moi, c'est Obligation devant Billy Bojangles et Evergreen. Nitin, une meilleure chance et un outsider pour cette journée. Et meilleure chance, je vois que Thierry Vecham dans la septième course et comme outsider, Roman Express dans la première course. Mourad, une meilleure chance et un outsider. Un peu difficile parce que Zinja Thierry Vecham, moi, je suis bien content en bas devant outsider si major. Et puisqu'il est en la présence de Camus aujourd'hui, nous avons aussi un banker avec un outsider aujourd'hui. Moi, mon bien, monsieur Fils, suivre de près l'outsider Love Struck dans l'épreuve principale. Ce qui amène nous à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.